Un dernier nettoyage des rues d'Addis Abeba avant la visite. Le nettoyage est un processus de routine, mais comme nous recevons un dirigeant, nous travaillons encore plus dur pour embellir la ville. On veut qu'elle soit à son meilleur pour notre invité. Barack Obama est le premier président américain à visiter l'Éthiopie et le premier à s'exprimer devant l'Union africaine. Mais l'excitation d'ici n'a rien à voir avec la liesse de Nairobi. Les opérations antiterroristes, le développement économique et les infrastructures, tout ça, c'est dans l'intérêt des pays développés. Si les nations en développement doivent communiquer et faire du commerce, l'Éthiopie sera la meilleure et la première. C'est pourquoi Obama est ici. The president of America is not, no, a different issue coming to Ethiopia. Le président américain, ce n'est pas un sujet si important pour l'Éthiopie. Nous avons déjà reçu des dirigeants, des hauts responsables africains et d'anciens présidents il y a des années. L'Union africaine a néanmoins décrit la visite d'Obama comme une visite historique qui permettra d'élargir et d'approfondir la relation entre l'UA et les États-Unis. Et l'Éthiopie a bien décidé à obtenir dans ce domaine des résultats tangibles.